Salut mon Zenjin. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je m'étire après une séance de sport. Mes séances d'étirement ne durent jamais longtemps, d'accord? C'est juste pour retrouver l'état initial de mes muscles. Alors là, j'ai fait une séance bras, mes circuits training bras qui durent 5-10 minutes. Tu peux les faire également en trouvant sur le bouton I ici qui s'affiche en haut à droite. Après ça, je m'étire un peu, je te montre. Donc je commence à prendre mon bras et là, ma main, je le place ici, d'accord? Et j'amène le bras vers moi. Là, j'étire mes épaules. J'ai travaillé en pompe, donc là, ça va me faire du bien. Fais-le avec moi, tu vas voir. Donc, même si tu n'es pas encore exercé, c'est pas grave. Je te propose vraiment de suivre mon rythme pour qu'ensuite, une fois que tu auras fait mes exercices, tu sauras comment te placer, comment sentir tes muscles, d'accord? Donc là, on étire ton épaule, yes. Inspire et souffle tranquillement. Et vraiment, ça ne dure que 5 minutes, tu vas voir, ça ne dure pas longtemps. Je continue d'étirer le même bras, mais cette fois-ci, le triceps, là. Je le place, le coude au-dessus de ma tête, je place ma main sur le coude et j'amène le coude derrière le sol. Je suis relâché, j'ai pas les épaules crispées. Et tu vois là, ça fait déjà une minute d'étirement, c'est cool, ça passe vite, hein. Change de côté. Donc là, par exemple, après une séance de pec, c'est idéal. Séance pompe, c'est idéal après. Inspire, tu souffles. Voilà, tu kiffes. Et tire ton épaule. Et tire maintenant ton triceps. Rappelle-toi, coude vers le haut. Allez, ramène le coude vers le sol. Garde la tête bien droite, les épaules basses, les épaules non crispées. Je vais maintenant relâcher le dos. Donc là, c'est facile. Je prends une grande inspiration et regarde ce que je fais. Je vais relâcher mon corps, les genoux légèrement fléchis. Je balance. Imagine que mes bras, ce sont des guimauves, de la guimauve. Je prends une grande inspiration, je fais ça 3 fois. Allez, encore une fois, inspire. Souffle. Là, je vais étirer l'intérieur de mes cuisses. Là, je peux diriger le pied vers l'extérieur. J'étire là, l'intérieur des cuisses qui travaillent énormément quand tu fais notamment des squats sumo. Hein, les squats, les pieds sur les côtés en canard. Et tu changes de côté. C'est vraiment des étirements très courts, hein, qui me permettent de sécréter des hormones de bien-être comme l'endorphine. Quand tu stretches, tu sécrètes effectivement de l'endorphine. Également pour retrouver, comme je t'ai dit, l'état initial des muscles. Donc toujours sur le bas du corps, donc ça fait déjà 3 minutes. On va étirer les fesses là. Pieds. Tu ramènes. Je dis les fesses, c'est grossièrement ça, c'est plutôt le périforme, un muscle de la hanche ici, muscle du bassin, ici. Muscle du bassin. Là, je relâche mes épaules et en plus, je profite de la plage, c'est cool. Ça fait du bien. Hein. C'est un muscle qui est souvent spasmé et le fait de l'étirer, ça va te permettre d'éviter les douleurs au niveau du dos. Ah, ça fait du bien. Et tu vois, j'aime bien terminer avec un étirement. Ici, je lève et je fais tomber les genoux vers moi. Et si je suis un peu plus souple, je laisse écarter mes jambes. Ou bien, sinon, je laisse les bras, les jambes derrière moi comme ça. Les mains sont en appui sur le bas du dos pour m'aider à garder la position confortable. Et là, j'étire toute la chaîne postérieure. Je détends mes muscles, mais également mon esprit.
et je relâche. J'aime bien terminer ma séance debout avec ce mouvement-là. Donc ça fera déjà 5 minutes d'étirement. J'inspire, je relâche, j'inspire, je relâche, j'inspire, je relâche. Et voilà, une séance d'étirement efficace et courte que tu peux faire à la fin de tes séances de sport. Quand tu as travaillé les pecs, les cuisses, bref, quand tu as fait un full body, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu veux d'autres vidéos d'étirement de ce style-là où je le fais vraiment à la cool. Je te montre mon quotidien, un peu comment je m'étire, ma routine d'étirement. Fais-le moi savoir, exprime-toi dans la barre des commentaires, partage la vidéo. Si tu veux aller plus loin, je peux te coacher et te proposer mon coaching de 3 mois qui contient ton plan sportif et ton plan alimentaire. Tout se passe sur mon site alexlevent.com et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao, ciao.